Bonjour à tous et bienvenue chez JBR Soft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'on vous présente un custom. Mais c'est un petit peu plus qu'un custom puisque c'est une véritable adaptation technique, voire peut-être prouesse technique. Vous voyez qu'entre les mains, j'ai un Scorpio, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui a été légèrement modifié à l'interne puisque déjà, vous le voyez, grâce à ce flexible, il est équipé d'un Inferno Wolverine, donc c'est bien une réplique modifiée en HPA. Deuxième caractéristique technique qui a été modifiée par le service technique de chez JBR Soft, en l'occurrence par Dany, c'est la carte électronique qui a été entièrement reprogrammée. Cette reprogrammation électronique, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de garder tous les modes de tir opérationnels tels qu'ils existent à l'origine sur le Scorpio, à savoir la sécu, bien évidemment, le semi, le burst et le full. Donc on le verra tout à l'heure en détail puisque là ça servirait strictement à rien de vous l'expliquer, mais bien évidemment ces trois modes de tir grâce à la reprogrammation, j'insiste, restent opérationnels. Et enfin le ball catch qui est lui aussi opérationnel, c'est-à-dire que sur le Scorpio d'origine, lorsque vous arrivez en fin de chargeur, il détecte la fin de chargeur et donc il arrête de tirer. Donc là c'est pareil, malgré la modification technique, Dany a réussi à faire en sorte qu'il reste opérationnel et donc la détection de fin de chargeur reste opérationnelle, c'est-à-dire que la réplique arrête de tirer. Et il faut réappuyer sur le ball catch pour que la réplique se remette en mode de tir. Trêve de blabla, je vous propose qu'on passe tout de suite au test de tir. Bien, donc je suis en sécu, donc bien évidemment, je ne peux pas tirer sur... Enfin, je ne peux pas appuyer sur la gâchette. Je mets le chargeur de la même façon, je ne peux pas appuyer. Je vais me mettre en semi. Donc ce mode semi fonctionne à la perfection. Vous voyez que la réactivité est assez démentielle, est assez impressionnante. Je vais me mettre en burst. Là aussi, la réactivité est parfaite. Le burst fonctionne parfaitement. Et enfin, je vais me mettre en full. Et là, de la même façon, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc là, la cadence est réglée sur une cadence très très élevée au niveau de l'Inferno. Mais vous vous souvenez qu'on peut bien évidemment la régler comme on le souhaite. Donc vous avez bien entendu que là, en fin de chargeur, il y a eu de la détection de fin de chargeur et donc je ne peux plus tirer. Donc là, vous voyez qu'effectivement, il n'y a plus de billes dans le chargeur, je ne peux plus tirer. Pourtant, vous voyez que le sélecteur est bien en position full, la détente est bien libérée, mais la réplique ne tire pas. Donc tout simplement, je vais changer de chargeur. Et avant de pouvoir continuer à tirer, il va tout simplement falloir que j'appuie sur le ball catch pour de nouveau avoir accès au tir. Comme vous avez pu le voir grâce à cette vidéo, l'atelier technique de chez JBR Soft est particulièrement performant. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout type de custom ou pour tout type d'adaptation technique. Si vous ne voulez rater aucune de nos vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt !